Seigneur. Je vais soin de ta présence. Seigneur, identifie-moi et après-midi. Parle, Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire. Parle, Seigneur, petit. Nous sommes en effet de gloire. Nous voulons ta gloire. Le roi de la couche. Réveille-nous ta volonté. Que la gloire ma couleur en plus de mon nom. Que je dois coucher, mon nom. Sans coucher, changement de moi. Alors je donne le soin de moi. Chasse un esprit de Dieu. L'esprit qui accompagne la mort. L'esprit de prophète, l'esprit de droit cet après-midi, par la longueur cet après-midi. Je pense que totalement, oh, église-moi, que je sois qui est un blessement, afin que je te mette des romans sur nous. Si nous avons tant de soins, c'est la vie de Dieu et toi en contrôle. Nous avons tant de soins de toi. Pour le souverain de ce temps, à l'aube de la nuit, règne à café. Que c'est dans mon cœur, merci Seigneur de gloire, parce qu'il est dans ce toi qui règne, et là c'est le Seigneur qui domine, alors nous t'acclamons parce que c'est dans ton Seigneur, amen. Seigneur, il aime ça, il aime lorsque tu t'abandonnes. Seigneur, même notre thème de cet après-midi. Je bénis le Seigneur parce que même pendant le chant, le Saint-Esprit a déjà commencé à nous parler de quoi nous allons, de quoi le Seigneur a prévu pour nous parler cet après-midi. Amen. Hein? Amen. Il est toujours mieux, frais et bon lorsque tu t'approches de ton Dieu. Tu lui dis, Seigneur, je n'ai que toi. Parce que souvent nous ratons des choses parce que lorsqu'on vient demander quelque chose à Dieu, on a déjà quelque part la réponse à nous-mêmes. On se dit non. Je vais faire ça et ça et ça. C'est comme si c'est juste par formalité que tu viens demander quelque chose au Seigneur. Le Seigneur regarde, il voit ton cœur. Amen. Hein? Amen. Alors pourquoi lorsque tu viens chez lui, tu dis, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai personne d'autre. Alors je dis, shalom au peuple de Dieu. Shalom à nous tous. Nous sommes là comme les Habakkouk, que je l'ai dit, au poste, au bon moment, au bon endroit. C'est le moment où le Seigneur va te donner la nourriture. Et laissez-moi, le Seigneur veut te parler, veut te bénir, et tant que citoyen du ciel. Amen. Hein? Mmh. Alors, recevez la paix de Dieu là où tu reçois cette paix. Sois dans la tranquillité. Assis-toi calmement. Apprête vraiment sur tout ton cœur. Parce que le Seigneur veut parler à ton cœur. Il veut mettre une bonne sémence dans ton cœur. Amen. Hein? Mmh. Alors, soyons richement bénis, bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mmh. Gloire au Seigneur. Alors, le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur ce thème et je suis dans la joie parce que lorsqu'on demande toujours au Saint-Esprit, il nous donne toujours. Lorsqu'on est dans les coups du Saint-Esprit, il nous donne toujours. Des fois, on croit que le Saint-Esprit ne parle pas parce que quelquefois nous sommes distraits. Il nous parle toujours, mais nous sommes souvent distraits. Alors, nous bénissons le Seigneur et le thème que le Saint-Esprit m'a révélé, c'est la vie nouvelle en Christ. Amen, hein? Avoir une vie nouvelle en Christ. La vie nouvelle en Christ. Je bénis le Seigneur parce que ce même est le nom que le Saint-Esprit avait révélé à son serviteur pour le nom de notre assemblée, la vie nouvelle. Et le problème est que le Saint-Esprit a essayé un peu de m'éclairer pour voir. Souvent, nous disons la vie nouvelle. Est-ce que nous avons déjà compris de quoi le Seigneur nous parle? C'est quoi cette vie nouvelle? Lorsqu'on parle de la vie nouvelle, ça veut dire qu'il y avait une vie ancienne que tu avais laissée, que tu as laissée, et maintenant tu prends, maintenant tu amènes une vie nouvelle. Et il y a une question que le Saint-Esprit veut nous poser encore cet après-midi. Est-ce que vraiment tu vis cette vie? Est-ce que je manifeste cette vie nouvelle? La vie nouvelle en Christ. Est-ce que lorsque les gens me voient chrétien, est-ce qu'ils voient cette vie en moi? Et lorsque les gens me voient parler, pas seulement prêcher dans la vie, dans nos vies de tous les jours, est-ce que les gens, est-ce que je suis en train de manifester cette vie? Il y a une question que le Saint-Esprit nous pose cet après-midi. La vie nouvelle en Christ. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, c'est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Est-ce que vraiment je vis cela? Est-ce que vraiment je manifeste cela? Mais il y a une chose que nous devons savoir. Pour vivre la vie nouvelle en Christ, il nous fait renoncer. Il te faut renoncer à toi-même. Je dois renoncer à moi-même.
renoncer à ma vie, renoncer à mes priorités, renoncer à tout ce que j'aime, à tout ce que ma chair me pousse de faire. Je dois prendre la priorité de Dieu, prendre la priorité du ciel. Tant que je n'ai pas renoncé à moi-même, je ne pourrai pas, je ne saurai même pas. Il te sera difficile de vivre la vie nouvelle à Christ. Parce que tu ne paies pas les désirs de la chair et au contraire assez de l'esprit. Alors lorsque l'on parle de la vie nouvelle en Christ, c'est à toi de chercher à vivre cette vie. C'est à moi et à toi de chercher à manifester cette vie. Donc il y a des choses que je dois clouer, il y a des choses que je dois ôter, il y a des choses que je dois abandonner. Et lorsque je parle de ces choses, ce n'est pas seulement de mauvaises choses, il y a aussi des choses que je fais. Mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est ça le thème même que le Saint-Esprit nous a donné cet après-midi. Le renoncement. Alléluia. Le renoncement. Nous devons renoncer à des choses. Et lorsque j'entends par ces passages, par ces non-renoncements, je suis en train de voir ces actions de se priver des satisfactions de ce que j'aime. C'est l'action de s'oublier soi-même. Alléluia. C'est d'abandonner ses droits. C'est renoncer. J'ai droit, moi. J'ai droit d'avoir telle chose. Mais j'abandonne ce droit parce que j'ai compris que pour avoir une vie nouvelle en Christ, je dois abandonner ce droit. C'est renoncer. C'est abandonner volontairement. Alléluia. La parole nous dit volontairement. On ne doit pas m'obliger. On ne doit pas me pousser. C'est moi-même, lorsque je me regarde, lorsque je me dis, je suis maintenant en Christ. Non, il y a des choses que je dois abandonner. Et lorsque j'abandonne ces choses, je dois les faire avec joie. Amen. Hein? On ne doit pas, mais parce que lorsqu'on me pousse à le faire, je ne saurais pas le faire. Amen. Hein? Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que le Seigneur est là. Et nous croyons que le Seigneur va nous parler. Parce que lorsque même nous lisons Matthieu 16, 24, la parole de Dieu dit, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est ça, c'est que Dieu nous donne comme, Jésus nous donne comme condition. Oui, tu aimes Jésus. Oui, tu veux obéir à sa parole. Oui, tu veux le suivre. Mais il y a quelque chose que le Seigneur te dit cet après-midi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à ses voies. Et qu'il se charge de sa croix. Alléluia. Et qu'il me suive. Est-ce que j'ai déjà renoncé dans ma vie? Est-ce que j'ai déjà renoncé dans ma vie? Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons partager la parole de Dieu. Dans l'évangile de Saint Jean. L'évangile de Jean. Ce passage que nous connaissons très bien. Ce passage que nous méditons très bien. Nous allons lire deux passages de la Bible, mais nous commençons d'abord par le passage de l'évangile de Jean, Jean 4. Gloire au Seigneur. Jean 4, parce que le passage est tellement long, et nous allons commencer un peu à sauter des versets pour pouvoir bien comprendre le message que le Saint-Esprit nous a prévu aujourd'hui. Amen. Hein? Je disais Jean 4, nous commençons par le verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Une femme de Samaritain vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus avait soif. Quand ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres, la Samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, mais demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Parce qu'il ne s'attendait pas. Le juif, en effet, n'a pas de relation avec le samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui à celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Gloire au Seigneur. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, femme, tu n'as pas encore compris. Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit
de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Jésus, oh, cette femme continue toujours à répliquer avec le Seigneur. La femme lui dit, Jésus, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va lui dire, Jésus, appelle-moi ton mari. Alléluia. Nous lisons le verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Là-dessus, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivera ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme ayant laissé. C'est ça notre passage clé, nous commençons là. C'est là que le Saint-Esprit va nous parler cet après-midi. On nous dit quoi? On nous dit, alléluia. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et ils virent vers lui. Alléluia. On nous dit ici que la femme a déposé sa cruche. Gloire au Seigneur. Amen. Hein? Amen. Nous, on s'arrête d'abord là. Je disais que le thème de notre message est la vie nouvelle en Christ. Et bien, il est vrai que lorsque nous parlons souvent de cette femme, la Samaritaine, et on qualifie beaucoup cette femme. On lui dit, il y a des gens que j'entends, ils disent qu'elle est une pécheresse. Les gens qui disent qu'elle est une femme mauvaise, pourquoi elle venait toujours après que les autres puisaient de l'eau. Elle voulait toujours être celle, c'est une femme adultère. Il y a eu tant de choses, il y a eu tant de qualifications qu'on a qualifié cette femme. Amen. Hein? Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect de cette femme, la Samaritaine. Alléluia. Nous sommes ici en train de voir ce passage où Jésus était fatigué du voyage. Jésus s'est dit qu'il allait se reposer quelque part. Et là où Jésus se reposa, il raconta cette femme, la Samaritaine. Nous sommes en train de voir que Jésus demande, Jésus avait soif. Jésus demande à cette femme à boire. Il dit, donne-moi à boire. Et nous sommes en train de voir que c'est comment cette femme est entrée de discuter avec le Seigneur. Comment cette femme est en train de répliquer, Jésus dit ça. Elle dit comme ça, mais laisse-moi nous dire une chose. Si cette femme parlait ainsi, répondait ainsi au Seigneur, parce qu'elle ne savait pas encore la personne qui était la personne qui était devant lui, devant elle. Amen. Hein? La Samaritaine ne savait pas, elle ignorait que c'était le Christ, que c'était le Messie qui était devant elle. C'est là et différent de toi et de moi. Nous, nous connaissons le Seigneur. Combien de choses Jésus t'a déjà demandé. Il t'a dit, donne-moi ça. Non, parce que c'est un homme qui te prêche et tu vois que c'est l'homme qui te demande, alors que c'est le Seigneur qui te demande. Alléluia. Toi, le Seigneur s'est déjà révélé à toi. Le Seigneur t'a dit, donne-moi ton comportement. Donne-moi ton temps. Donne-moi telle chose. Mais tu refuses toujours. Alors que toi, tu connais le Seigneur. Le Seigneur veut te dire, il a soif de ta vie. Que tu lui donnes quelque chose. Nous demandons toujours des choses au Seigneur. Mais on ne pense pas que le Seigneur a aussi besoin d'avoir quelque chose de ta part. Ce que le Seigneur a besoin d'avoir de ta part aujourd'hui, tu dois renoncer à des choses. Alléluia. Nous avons vu que cette femme ne savait pas. Elle ne savait pas qui était devant elle. Pendant que Jésus parlait, cette femme, elle ignorait que c'était le Seigneur. Alors laisse-moi nous dire une chose. Dès que cette femme a su, alléluia, dès que cette femme a compris qui était devant elle, qui était devant elle, cette femme, la parole nous dit, elle a déposé sa cruche. Alléluia. Cette femme n'a plus fait attention à son besoin. Cette femme n'a pas tiré attention que j'avais soif, j'avais besoin d'avoir de l'eau pour aller laver mes vêtements, faire quoi que ce soit. La parole nous dit, elle a déposé sa cruche. Pourquoi cette femme a déposé sa cruche? Parce qu'elle devait aller annoncer la bonne nouvelle. Elle devait aller dire aux autres. Elle a même oublié, comme elle a dit, que le Juif et les Samaritaines, ils ne s'attendent pas. Non, elle a oublié toutes ces choses-là. Elle a déposé sa cruche. Il y a une chose que je dois savoir. Là, de déposer sa cruche, c'est pour dire, si je partais annoncer la nouvelle avec ma cruche, les gens vont dire, ah, regardez celle-là. Regardez la Samaritaine, elle vient avec sa cruche. Personne n'allait tirer attention à elle. Elle a compris aussi
que si je porte ma cruche avec l'eau sur moi, non, je serai lourde. Je ne saurai pas annoncer la parole comme il faut. Je ne saurai pas courir comme il faut. Non, je dois renoncer à mon besoin. Je dois abandonner ce besoin que j'ai pour aller annoncer. Parce que cette femme a compris qui était devant elle, le Seigneur. Elle a compris, mais pourquoi je discutais avec lui? Pourquoi je ne lui ai pas donné si tôt de l'eau? Cette femme est allée annoncer la bonne nouvelle. Cette femme est allée parler du Seigneur. C'est quoi la cruche pour toi et moi? Et mais c'est ta vie que tu gardes toujours. Tu parles bien du Seigneur. Je prêche comme je prêche là. Est-ce que j'ai changé ma vie? Est-ce que j'ai une nouvelle vie en Christ? Est-ce que lorsque les gens regardent maman Angèle, lorsque les gens regardent Aaron, ils peuvent dire non, Aaron a une autre vie. Depuis qu'Aaron a accepté le Seigneur, sa vie a changé. Il a adopté le comportement du Seigneur. Aujourd'hui, nous devons déposer notre cruche. Tiens bien ta cruche. Tiens bien ce que tu fais. Mais la Samaritaine, celle à qui elle n'avait même pas encore su qui était Jésus comme toi et moi, lorsqu'elle a compris la grandeur, lorsqu'il a compris, la parole nous dit qu'elle a déposé. Elle a oublié sa vie. Elle a renoncé à ce qu'elle devait faire. Peut-être que l'homme qu'il avait à la maison attendait cet eau. Elle s'est dit, tant pis, parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris et quelque chose que j'ai reçu. Elle a renoncé à cela. Elle a abandonné cela. Et mais tant que j'ai mon comportement, tant que j'ai mon ancienne identité, et mais il me serait difficile de parler du Seigneur. Alléluia. Il me serait même, je dirais, impossible de parler librement, avec liberté du Seigneur. Parce que quelque part, ma chair va toujours m'attirer. Ma chair me dira toujours non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps, ce n'est pas maintenant. Nous devons renoncer à beaucoup de choses. Alléluia. Laisse-moi nous dire encore une chose. Je préfère bien que nous puissions lire ce passage. Là, nous allons parler de cet homme, Paul. Gloire au Seigneur. Nous parlons de Paul. Philippiens 3, nous lisons seulement le verset 7. Paul dit quoi? Mais ces choses qui étaient pour moi, alléluia, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel, qu'est-ce que Paul nous dit? Pour lequel je renonçais à tout. Alléluia. Ces choses qui étaient, ces priorités, ça c'est Paul qui nous dit, ces priorités, ça veut dire que ces choses qui étaient pour lui des priorités, Paul a compris que si moi, Paul, je reste avec ma connaissance que j'avais, parce qu'on me connaît, moi, Paul, je suis comme ça, je suis intelligent, je fais tant de choses. Si, malgré que je suis au Seigneur, j'ai toujours mon identité de Paul, il me serait impossible de pouvoir suivre le Seigneur. Mais Paul avait compris. Paul avait compris une chose, connaître Jésus, le Sauveur, il devait tout abandonner. Tout ce qui lui était cher. Mais tu as des choses qui te sont chères. J'ai des choses qui me sont chères. Où je dis, that's night, that's blind. Ça, je ne peux pas enlever cela. Mais nous savons que Paul a fait de grandes choses. Si Paul a renoncé à ces choses, si Paul est capable de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. S'il a osé de prononcer cette parole, que moi et d'autres fois nous le disons, mais on ne se regarde pas encore à nous-mêmes. Si réellement Christ vit totalement en moi, nous branchons. C'est vrai, je tombe des fois, c'est vrai. Mais je dois me relever et abandonner ces fautes. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et pour vivre même la puissance du nom de Jésus qu'on nous a prêché le dimanche passé,
Tu dois renoncer à beaucoup de choses. Sinon, tu citeras ces noms. Ces noms n'auront pas d'impact dans ta vie. Ces noms ne feront rien dans ta vie si tu n'as pas encore renoncé à toi-même. C'est lui qui veut me suivre. Qu'il renonce à soi-même. Ça, c'est le Seigneur qui nous parle cet après-midi. Amen. Hein? Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire, il a abandonné tout. Cela veut dire, il a tout laissé. Il a laissé Christ prendre totalement la place. Il a laissé Jésus prendre totalement la place. Mais cet après-midi, je nous invite aussi, laisse le Seigneur prendre totalement la place. Il est vrai que nous combattons comme Paul dit encore. À moi, je sens la loi de Dieu. Je sens que je dois laisser telle chose. Mais c'est corps, cette chair qui me pousse toujours à faire ce qui est au contraire à la parole de Dieu. La chair a été déjà condamnée. Voilà pourquoi il nous pousse toujours à faire des choses pour que nous soyons aussi condamnés. Alors que tu n'es plus condamné. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais nous sommes là en train de faire quelque chose de grandeur. Quelque chose merveilleux. Nous sommes là en train de vivre le parcours de deux personnages, parcours spirituel, où le Seigneur a totalement changé. Nous sommes là en train de voir la vie de la Samaritaine. Sa rencontre avec le Seigneur, sa vie avait totalement changé. Nous sommes là en train de vivre la vie de cet homme Paul. Sa rencontre avec le Seigneur, sa vie avait totalement changé. Ils ont tout renoncé pour suivre le Seigneur. Ils ont tout renoncé pour s'abandonner au Seigneur. Ils ont tout renoncé pour laisser le Seigneur prendre toute la place. Bien-aimés, depuis que je suis en Christ, depuis que je reçois Christ, qu'est-ce que j'ai déjà abandonné? Ce qui m'est cher. Où je souffre, j'ai dit non, 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 je ne sais pas abandonner ça. Il m'a répondu comme ça. Dans mon ancienne habitude, dans l'ancien homme que j'étais, je pouvais aussi répondre. J'ai mal, mais à cause de Jésus, non, je ne dois pas répondre. À cause de la nouvelle identité que j'ai, non, ça me fait mal, Seigneur. Seigneur, je dois répondre. Seigneur, je dois agir. Seigneur, j'ai mal. Mais parce que j'ai compris que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Parce que c'est Christ qui vit en moi. Je ne réponds pas. Alléluia. Je ne réponds pas. Je n'attaque pas. Et je reste silencieuse. Et je dis, Seigneur, à cause de ça, j'abandonne. Et nous sommes là en train de voir Hébreux 10. Jésus qui part. Jésus dit, je viens, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté du Père. Jésus lui-même, le Seigneur, a abandonné sa volonté. Jésus lui-même, le Maître, a abandonné sa volonté, a renoncé à sa volonté pour prendre la volonté du Père. Nous voyons à Gethsémani, Matthieu 26, lorsque Jésus voit la coupe, lorsque Jésus voit la souffrance, il voit qu'il doit aller à la croix. Jésus voudrait renoncer. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Père, pas ma volonté toutefois, ta volonté à toi. Nous sommes en train de voir que le Seigneur lui-même a renoncé à sa volonté, a renoncé à son rang de Dieu pour venir porter la croix pour toi et moi, pour venir se faire pécher pour toi et moi. Jésus a renoncé à sa volonté. Nous sommes en train de voir Paul a renoncé à lui-même pour pouvoir suivre le Seigneur, pour pouvoir accepter le Seigneur. Mais nous sommes arrivés à un temps, à un moment où toi et moi, nous devons savoir où est-ce que tu en es avec le Seigneur. Amen. Où tu dois te poser des questions chaque jour, chaque année nous faisons des bilans. Est-ce que nous le faisons comme il faut? Nous faisons peut-être nos bilans. Non, moi cette année, je ne suis pas allé au Congo. L'année prochaine, j'irai au Congo. Est-ce que tu as eu le temps de faire le bilan spirituel? Ta relation avec Dieu? Oh, l'année passée, est-ce que je me suis plus donné au Seigneur? Est-ce que j'ai répondu aux besoins du Seigneur? Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur lorsqu'il m'a demandé quelque chose à faire? Alléluia. Gloire au Seigneur.
Nous sommes arrivés au moment où tu dois savoir où tu en es avec ta vie, avec ta relation avec le Seigneur. Nous sommes arrivés au moment où tu dois renoncer à beaucoup de choses. Je dirais renoncer à soi-même. Alléluia. Bien-aimés, je dois rester dans ma vie spirituelle, mais je dois renoncer à moi-même. Lorsque je suis en train de parler, chacun de nous est en train de voir dans sa vie qu'est-ce qu'il fait encore. C'est qu'il n'honore pas le Seigneur depuis qu'il est en Christ. Qu'est-ce qu'il continue encore de faire de sa vie passée? Une nouvelle créature. La vie nouvelle en Christ. Est-ce que je cette vie à moi comme il faut? Est-ce que je marche en conformité avec la parole de Dieu? Mais laisse-moi nous dire une chose. Le renoncement va de pair avec le brisement. Alléluia. Lorsque je renonce à ma vie, volontairement, lorsque je viens vers le Seigneur pour te dire, Seigneur, je me livre totalement à toi. Seigneur, tu peux m'utiliser. Tu peux faire ce que tu veux. Et c'est là où le potier qui est le Seigneur commence à faire son travail. Alléluia. Et c'est là où le Seigneur commence à briser, à te briser. C'est là où tu as mal. Parce que quand on te brise, ça veut dire on est en train de t'enlever de choses que tu aimes. Aujourd'hui, des fois, nous les enfants de Dieu, nous allons maintenant dans des fêtes. Surtout des gens, la famille pastorale, on s'est dit, ah demain je vais chanter, ah demain je vais prêcher, je reste à la fête jusqu'à 23h minuit, je dois rentrer. Des fois, tu rentres, tu n'as même pas mangé, tu n'es même pas réjoui avec les autres. Alléluia. C'est un renoncement, alléluia. Tu renonces à ce plaisir-là. Parce que tu veux gagner Jésus. Parce que tu veux gagner Christ. Parce que tu veux que le Seigneur soit content de toi. Alors tu renonces à cela. Des fois tu dis, mais tu n'as même pas traîné, ça fait que 2 heures. Il y a même d'autres personnes qui disent, mais lui il vient, il ne traîne pas. Non, parce qu'ils n'ont pas encore compris pourquoi tu dois partir. Pourquoi tu dois quitter. Parce que tu as quelque chose à faire avec le Seigneur le dimanche. Alléluia. Renoncer n'est pas facile. Ça fait mal. Parce que je me suis déjà habitué avec ma vie ancienne. Habitué à faire mes choses comme je le fais. Personne ne va me diriger pour me dire laisse ça, laisse ça. Mais le Seigneur t'a dit, si tu veux le suivre, tu dois renoncer à toi-même. Bien-aimés, il est temps, comme je l'ai dit, que le potier, le Seigneur, que tu entres dans la maison du potier. Bien-aimés, est-ce que tu es dans la maison du potier? Est-ce que tu sens déjà le brisement en toi? À quoi tu es déjà brisé? À quoi? Si tu ne sens pas encore ces choses, si je ne sens pas, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à moi dont je ne suis pas encore renoncé. Le Seigneur ne te pousse pas. Dieu n'est pas un dictateur pour te pousser, mais il te laisse le choix. Il dit, sois-y. Mais il dit, sois-y moi le Seigneur. Le Seigneur n'est pas un dictateur. Alors que dans de l'eau, dans d'autres choses, ils sont des dictateurs. Ils t'obligent de faire des choses. Mais notre Dieu te dit, viens, viens, moi je t'aime. Il te montre d'abord son amour. Le brisement, le renoncement, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Et mais nous sommes en train de voir le disciple, alors que le Seigneur n'était pas encore ressuscité. Et ils sont retournés à la pêche. Pourquoi ils sont retournés à la pêche? Parce que le Pierre et les autres, il n'avait pas encore renoncé totalement dans leur ancienne vie. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont reçu le Seigneur, nous voyons qu'ils ont tout renoncé. Ils n'ont plus fait écart dans leur vie. Ils allaient de lui, ils allaient prêcher la bonne nouvelle. Dans le trouble, dans la tribulation, dans la souffrance, c'est Paul qui a été arrêté. Tout simplement parce qu'il voulait annoncer la parole. Bien-aimé, il est temps que tu t'abandonnes totalement au Seigneur. Jésus revient bientôt. Nous allons souvent voir des gens, oh celui-ci il était bien, il est tombé malade, il ne parle plus. Mais maintenant, comme la parole dit, si vous attendez savoir, n'anticipez pas vos cœurs. Alléluia. N'anticipe pas ton cœur. Revois ta vie. Regarde dans ta vie. Je dois revoir ma vie, Angèle. Est-ce que ma
vie est totalement en Christ? Est-ce que ma vie est vraiment remplie en Christ? Est-ce que je peux dire si c'est le plus, si c'est moi qui vis, c'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Bien-aimé, renoncer, c'est laisser être rempli spirituellement. Si je ne renonce pas, ma vie chrétienne ne sera pas remplie. Je ne serai pas un chrétien modèle. Il y a aussi une chose que nous devons savoir. Toutes ces choses-là que je laisse, toutes ces choses-là que je le sais, m'accompagner dans le Seigneur, que je n'ai pas abandonné, tous ces péchés chéris là, que je laissais, que j'ai amené, tous les petits tétitesses là qu'on dit, le Seigneur dit ça, dit, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ces choses là, un jour où tu seras dans le sommet spirituel, ces choses là vont te rattraper. Alléluia. Et ces choses là te fera tomber facilement. Oui. Ces choses là que je le sais, ces comportements-là, ces langages-là que j'ai laissés, lorsque moi je parle, j'en dis toujours, mais pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il n'a jamais changé? Je suis têtu. Je dis, non, moi je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Très bien, bien-aimé. Tu as toujours été comme ça. Mais laisse-moi te dire qu'un jour où tu seras fatigué, où tu ne sauras plus comment prier, le diable-là qui règne, qui rôde plutôt, il viendra un jour. Et tout ce pendant de ces choses-là que tu as laissées, c'est avec ça qu'il va s'en servir pour te faire tomber. Alléluia. Pour te faire tomber. La Samaritaine, lorsqu'elle a su qui était Jésus, elle a abandonné son droit. Elle a renoncé à son droit. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit, laisse ta cruche, dépose ta cruche, va annoncer la bonne nouvelle. C'est parce qu'elle avait compris. C'est parce qu'il avait compris qui est la personne de Jésus, qui est Jésus. C'est parce qu'il avait compris que je suis devant le Messie, le Seigneur. Est-ce que tu as déjà compris aussi? Est-ce que lorsque je viens les dimanches, je dis, je viens parce que je dois venir? Ou bien je viens avec soif que Dieu n'est pas? Ou bien je viens dans l'empressement pour que le Seigneur me touche et me change? Ou bien je viens parce qu'on doit me voir? Lorsque je prie, je prie pour que Dieu soit content. Non, il a déjà été content. Dieu s'est soufflé à lui-même. Ou bien je l'ai fait pour moi-même. Et non, je veux l'église de Dieu est faible. Le corps du Christ est faible. Parce que beaucoup de gens, même beaucoup des serviteurs de Dieu, sont venus dans le Seigneur. Mais ils ont encore des choses en quoi ils n'ont pas renoncé à ces choses. Ils ne sont pas encore passés dans la maison du potier pour être brisés, pour être transformés. La vie nouvelle à Christ. Je dois marcher avec le Seigneur. Non, je prie que cette année, avant la fin de cette année, qu'il y ait quelque chose de changement dans ta vie. Non, je prie que avant la fin de cette année, que les gens disent, je sens quelque chose de changement en toi. Qu'est-ce que tu as fait? Que les gens te posent des questions pour savoir. Souvent, on se pose des questions où tu as fait tresser les cheveux, où tu as fait ça et ça et ça. On t'a déjà posé des questions pour te demander, je te vois changer. Même ta façon de parler, ta façon de faire des choses, qu'est-ce qui s'est passé? Révèle-moi ton secret. Nous devons avoir ces choses-là. Les gens doivent être étonnés de nous. Les gens doivent être attirés de nous. Aujourd'hui, les chrétiens, nous chassons déjà tout autour de nous. Je parle de la parole de Dieu. Je lis la parole, je vous prêche. Est-ce que je suis digne de le faire? Est-ce que tu es digne de le faire? Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a dit, renonce à ta vie. Renonce à cette vie. Ou bien, t'as déjà renoncé à d'autres choses, mais il te reste encore quelque chose là. Mais ce chose-là, quand tu le fais, tu as même mal toi-même. Tu dis, mais pourquoi je fais encore ces choses? Oui, c'est dur d'abandonner ces choses que tu avais déjà l'habitude de les faire. Mais le Seigneur te dit, donne-moi ces choses-là. Parce que moi, je veux te changer. Je vais vivre mon nom dans ta vie. Lorsque tu cites mon nom, tu vois de grandes choses.
Alors donne-moi, faisons le change. Donne-moi ton ancienne vie. Donne-moi ces choses-là. Et moi, je vais te donner ma vie. Et tu vas marcher dans la victoire en victoire. Et tu vas vivre la gloire de Dieu. Chrétien, es-tu là? Est-ce que tu es présent, chrétien? Est-ce que tu écoutes cette parole, chrétien? La marche avec le Seigneur. Il y aura des tribulations. Il y aura des troubles. Mais que cela ne puisse pas t'empêcher de continuer à suivre le Seigneur. Lorsque nous lisons l'évangile de Luc, il dit, celui qui veut sauver sa vie, garder sa vie, la perdra. Mais celui qui va perdre sa vie pour le Seigneur, il le sauvera. Amen. Hein? Tu dis, Seigneur, je laisse ça pour toi. Les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent te dire, ah, Azayuma, regarde, je lui ai fait ça. Tu l'as fait à cause du Seigneur. Tu l'as fait parce que tu connais le Seigneur. Sache-le que le Seigneur te donnera plus de ce que tu as perdu. De quoi, des fois, tu crois d'avoir perdu. Mais tu n'as pas perdu. Tu n'as pas perdu. À cause du Seigneur, tu n'as pas perdu. Tu ne perdras rien du tout. Le rémunérateur, c'est lui. C'est lui qui va rémunérer ta vie. Je suis arrivé vers la fin de mon message. Le Seigneur nous invite. Le Seigneur t'appelle. Dans la maison du potier. Mais il y a une chose que le Seigneur te demande. Volontairement, toi-même, tu dois renoncer. Renonce à cela. Et le Seigneur va te briser. Tu seras un chrétien modèle. Tu seras un chrétien parfait. Un chrétien discipliné. Un chrétien battu. Alléluia. Fort. Tu ne tomberas plus n'importe comment. Tout simplement, si tu renonces à ta vie. Sois béni, toi qui as écouté cette parole. Reçois la bénédiction de Dieu. Il est vrai que nous avons souvent écouté parler sur la bénédiction. Nous n'aimons pas souffrir, nous n'aimons pas abandonner de choses. Nous aimons beaucoup garder. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, à cause de moi, ton Seigneur, tu dois renoncer à ces choses-là. N'attends pas demain, ne dis pas après, ne dis pas à la fin du mois. Maintenant, tu as écouté cette parole, c'est maintenant que tu dois renoncer. Et entre dans la maison du potier, qui est le Seigneur et qui puisse te briser. Soyez béni, Père de Dieu. Soyez béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis le merveilleux. Je suis le bon.